Au suivant. Je vous écoute. Eh bien voilà, il y a un an, j'ai découvert qu'à tort ou à raison, énormément de gens croyaient à l'au-delà. Et que le seul moyen pour moi d'amasser beaucoup d'argent était d'en profiter, en faisant croire que j'étais médium et que je pouvais les mettre en contact avec des êtres chers. Hélas, disparu. J'ai donc ouvert mon cabinet, avec une fausse plaque à mon nom, Richard Broussard, médium diplômé. Vous voyez l'idée? J'y ai apporté une touche d'insolite et d'inquiétant pour l'ambiance. Et j'ai attendu le client. Il venait d'abord hésitant, puis confiant par la suite. Et le bouche à oreille aidant, ma salle ne désemplissait plus. Maintenant, je vais appeler Tonton. Tonton. Tonton José. José. Tonton José. Tonton José. Tonton José, je t'appelle. Alors, ma petite Judith, comment ça va? Ça va, ça ira encore mieux quand tu me diras où tu as mis le trésor. Table Tu cherches tournante, ce transe, fameux trésor. bruits étranges venus de nulle Alors, part, et j'en ça tombe passe. bien, je vais te dire J'imitais mille voix à exactement la où il est. perfection, Pour trouver le et trésor, il tous faut tombaient dans le panneau. Tu montes à la Bref, cave. j'étais peut-être Est-ce que tu malhonnête, vois l'endroit mais où j'étais il y riche et avait. heureux. Tonton, 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 tonton! Hé, tonton, reviens! Tonton, tonton, reviens, s'il te plaît! Ramenez mon tonton, ramenez-le, ramenez mon tonton! Je vais essayer de le rappeler. Tonton José! Tonton José! Il allait Non, il me est le donner, il parti. allait me le donner le trésor, s'il vous plaît. Je suis désolé, il est parti. Rendez-le-moi. Non, non, non. Non, ne touchez Et pas à puis, ça. elle est arrivée. C'était il y a quelques jours, ça devait être 1 h de l'après-midi. Mon Toute mari est menue, mort le 13 toute du courbée, mois de toute mars. ridée, toute vieille, quoi. Et me sentant Elle a demandé à parler à Georges. Son mari décédé je il y a peu, voudrais disait-elle. parler à mon Georges. Et une fois de plus, j'ai sorti le grand jeu. Alors que je faisais mine de rentrer en transe, il s'est passé quelque chose d'inouï. Ce n'était plus ma voix, c'était la sienne. Je n'ai entendu que quelques mots. Par la suite, ils ont discuté longuement. Je sentais mes lèvres bouger. Je voyais les siennes remuer. Mais j'étais devenu comme sourd, complètement étranger à la conversation. Tout ça paraît incroyable. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Mais Georges, il est là! Vous présentez. Non! Il ne se manifeste pas, il ne bouge pas. Il se tait. Mais il est là, je le sens. Hé! Hey, vous me croyez pas? Je vais vous le prouver. Ah, ah, ah Georges! Oh, ah, qu'est-ce que vous faites? Je rentre en France. Vous allez arrêter ce cirque ridicule! Georges! Non! Mais qui êtes-vous? Ben, c'est-à-dire que je suis docteur en psychiatrie et... Manquez plus que ça! Qu'est-ce que vous voulez? Savoir pourquoi vous restez bêtement là au lieu de...
de rejoindre le royaume des morts. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais quand même pas me laisser embarquer dans cette histoire de fou. J'attends, Jeanne. Elle ne devrait plus tarder. Elle m'a dit qu'elle arrivait. C'est juste une question de temps. Une question de temps. Jeanne et moi, nous ne sommes jamais quittés. Seule la mort nous a séparés. Elle m'a fait appeler. Elle m'a dit qu'elle avait peur de faire le grand voyage toute seule. Elle m'a demandé de l'attendre, de le faire avec elle. Mais quand? Je vous l'ai dit, ce n'est qu'une question de temps. Juste une question de temps. Georges. Je vous disais. Jeanne, tu es prête? Je suis prête. Merci, monsieur, pour son hospitalité. Et veuillez nous excuser pour le dérangement. Oui. Allons-y, Jeanne. Allons-y, Georges. Monsieur ? Il est parti ? Ils sont partis. Génial ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Oh. À vrai dire, pas grand-chose. Oh, merci. Il y a vraiment pas de quoi. Et à l'avenir, évitez d'essayer de communiquer avec les esprits. Vous n'avez pas les nerfs assez solides pour vous prêter à ce jeu ! Et à vrai dire, moi non plus. C'était elle ? Aucun doute. Elle a été inhumée ce matin. Incroyable ! Tout bonnement, incroyable ! À qui le dites-vous ? Même entre psy, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer.